Salut à tous les amis, ici El Grosso Tapata, votre autiste adoré. On se retrouve pour la deuxième partie du niveau du pic du dragon ancien dans le jeu Dark Souls 3. Et nous avons vaincu le premier boss de ce niveau qui était la vouivre ancienne. Et on l'a vaincu d'un seul coup, sur la tête, en se balançant en l'air. Là, je suis téléportée vers un feu. On a fouillé la zone du dragon pour récupérer tous les objets. Et là, on va continuer la suite de ce niveau. Alors, on entre dans la pièce. Et là, un humain va apparaître. On va grimper les escaliers tout de suite. On va au bout du balcon parce qu'en fait, celui qui a fait apparaître l'humain, c'est ce sage serpent. Lui, c'est lui qui fait apparaître les humains. Il faut le tuer immédiatement. Et ensuite, on s'attaque à l'humain. Alors déjà, ici, une âme de chevalier découragée. Et là, l'humain est en bas. On va s'en occuper. Allez, viens me chercher, toi. Oh. Et attention, son épée est électrifiée. Va falloir faire attention. J'attends qu'il fasse un gros coup, que je puisse frapper. Allez, viens. Deux coups, on recule. Parfait. Et là, vous gagnerez un espadon de Draxan. On va faire le tour de la zone pour l'instant. De ce côté-là, il y a une petite entrée. Mais attention derrière, il y a une embuscade de deuxième serpent. On recule. Allez, venez. Voilà. Attention à ne pas se faire attaquer. Et en plus, je n'aime pas ceux qui portent des dagues. Faut contrer leurs attaques et les attaquer ensuite. Comme ça. Grand fragment de titanite. Ils gardaient un objet tous les deux sur le balcon. Une écaille de titanite. Il n'y a rien d'autre ensuite. On revient. On fait le tour et on remarque un ascenseur ici. On va l'actionner. C'est très important. C'est un raccourci vers le premier feu de ce niveau. Et moi, je vais remonter. C'est pas mon but. Mais en fait, j'actionnais le mécanisme. C'est pas la même chose. Pour qu'il puisse fonctionner. Et là, on va faire le tour. Et là, il y a une petite sortie vers un autre balcon. On ne descend pas ici, ça ramène au dragon. Il y a un objet là, c'est une écaille de titanite. Et attention, juste après, il y a un lézard de pierre. Il va être assez coriace, lui. Deux coups suffisent, après il crache du feu. Et en plus, ils sont assez résistants. Il a roulé. Non. Super. Il y a un objet là. Une écaille de titanite. On continue de faire le tour. Et on revient dans la salle. Alors, il y a un petit secret. Vous voyez ce dragon et ces autres guerriers dragons qui prient devant lui. Vous allez faire la même chose. Vous vous mettez devant l'autel. Vous choisissez voix du dragon.
et vous attendez. Vous gagnerez un anneau de calamité. Vous vous relevez et on monte en haut de la salle. Maintenant, on va continuer notre bonhomme de chemin. Tu regardes partout, il n'y a rien. Tout va bien. On continue par là. Il y a une herse fermée, mais notez qu'il y a une grande cour derrière. Juste derrière, il y a une lance de tueur de dragon. On peut le récupérer d'ici. Il est juste derrière la herse. On continue par la droite. Et attention ici, il va y avoir des embuscades. Attention, deuxième entrée à gauche, il y a un homme serpent qui va vous attaquer. Comme ceci. Allez, viens me chercher, toi. On avance. Et là, on va attaquer ces guerriers serpents qui arrivent. Alors, eux, ils se protègent tout le temps. C'est quand ils lancent une attaque qu'il faut attaquer. Comme ça. Oula. Voilà, c'est mieux. Parfait. Il y en a encore. Il y en a encore un autre, même deux, qui vous attendent. Ils attaquent un par un, ce sera mieux. Ça, ça. Et ça. Attention à leur tête. Un grand fragment titanic. Et regardez en bas à droite. Il y a un homme serpent. On va faire une attaque en piqué. Comme ça. À ça, il déteste. Grand fragment titanic. On monte la petite marche ici. Et attention, il y a un gros ennemi avec une hache. Allez, frappe-moi. Je me méfie de lui parce qu'il est très puissant. Et voilà. Un grand fragment de titanite. Là, il n'y a rien dans la pièce. Mais remarquez ici, avant de continuer par là, il y a une échelle contre un des piliers. Ici. On grimpe. Tout en haut, il y a quelque chose. Il y a ici une chevalière du tonnerre. On continue par la droite. Ici. Et on va se laisser tomber sur les pontons dessous. On continue par là. Ici. On suit ce ponton. Alors là, il y a un lézard. On va le tuer tout de suite. Trois titanites scintillantes. Là, il y a un objet en haut, mais on ne peut pas l'atteindre ici. Mais remarquez sur le côté un coffre. Il n'est pas piégé. On l'ouvre. Et dedans, il y a trois écailles de titanite. On continue après. Et attention, il y a des lézards de pierre. Il va falloir les tuer. Allez, venez. Attention quand ils vous roulent dessus. Tiens. Oh. Comme ça.
Il y en a un autre. J'en suis certain. En plus, je déteste la roulade. Et là, attention, on va attaquer du lourd. Alors, il n'y a rien ici, vous le constaterez. On va s'attaquer à un dragon. Un vrai dragon. Et il ne va pas être des plus faciles. Je vous le garantis. Là, il y a une âme de guerrier épuisé. Le voilà. Il va être assez long à tuer. Je vais couper la vidéo. Histoire de... Alors, je vais l'affronter un petit peu et je couperai la vidéo jusqu'à ce qu'il ait perdu toute son énergie. La vidéo. Alors là, je ne peux pas le vaincre pour l'instant parce qu'il est en hauteur et il me bombarde de boules de feu quand j'avance sur le chemin. Donc je suis obligée d'avancer. En haut des escaliers, il y aura des lézards de pierre. Là, il crachera du feu, vous voyez. J'ai grimpé sur la gauche ici. Je serai à l'abri. Dans le coin, je vais voir s'il n'y a pas des objets. Non. Allez, viens voir. Vérifier un truc. Non, il n'y a pas d'objet sur le chemin. Donc, on continue par là et on passe cette petite entrée là. On avance. Et là, on va affronter un homme serpent mage qui va faire apparaître un humain. On va s'en occuper tout de suite. Vous réfléchissez pas. Là, il y a un humain qui vient d'apparaître, qui est tout nu, avec une épée d'estoc. Alors, attention, il y a une attaque spéciale. C'est ça. Voilà, il n'est pas très compliqué. Une rapière de Ricard. J'ai gagné. On avance. On va sur la gauche d'abord. Et là, il y a ici, pour suivre la voie du dragon, abstenez-vous de faire sonner la grande cloche. Ce levier permet d'actionner cette grosse cloche, mais on ne va pas le faire tout de suite. Il y a encore d'autres choses à explorer.
On va activer le nouveau feu ici. Et on sauvegarde le grand beffroi. On avance. Et là, on va affronter des hommes serpents. On va affronter une armée. Tiens. Alors, je regarde dans le coin s'il n'y a rien. Non. Au centre de la place, il y a une grande dame de chevalier découragée. Et là, je tue l'homme serpent qui crache du feu. Et attention, juste après, on va affronter une armée. Là, il est tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Vous allez voir. Allez, viens, toi. Viens. La deuxième qui rapplique avec la grosse hache. Oh! Viens me chercher, saleté. Et là, il y en a d'autres qui rappliquent. Je tue. Il y a deux autres qui rappliquent. Olé. Attention qu'ils ne vous saisissent pas le creteux. Allez, viens me chercher, toi. Je les ai tués tous les deux. Il y aura deux géants qui arrivent, dont un avec une chaîne. Oulé. Attention. Allez. Oh. Un grand fragment de titanite. Et là, une hachette d'homme serpent. Et là, attention, on va affronter une grosse hache. Olé. Allez, viens me chercher, toi. J'ai encore plein de potions, vous inquiétez pas. Allez, viens. Ça y est, je l'ai tué. Un grand fragment de titanite. On va tout au bout de ce chemin. Alors, on va sur la droite. Attention, il y a un lézard de pierre. Il n'y a rien au bord, ici. Alors, vous allez sur la droite. Au bord, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Je regardais parce que c'est très blanc. C'est très opaque. Je regarde sur les chemins s'il n'y a pas les objets. Non.
On va sur la gauche. Attention, il y a un lézard de terre. On va le tuer. Parfait. Et au bout ici, il y a quelque chose à trouver. C'est les cendres d'un trac dragon. On remonte. Et on prend le chemin principal. Là, il n'y a plus personne, j'ai l'impression. Non, il n'y a plus personne. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Alors, on va monter ce grand escalier monumental. Je regarde aussi s'il n'y a pas d'autre objet. Parce que là, vraiment, c'est trop blanc. Des fois, j'en oublie. Et vous arriverez vers un hôtel sacré. Là, vous allez utiliser, bien entendu, la voix du dragon, les mots de voix du dragon. Et vous attendez. Vous gagnerez une pierre de torse de dragon scintillante. C'est tout ce qu'il y a. On revient juste, on revient au départ. Voilà, jusqu'au bout. Là, il y a une herse verte en face, vous le constaterez. Je vais y aller tout de suite. Et il y a un objet au pied de cette herse. Une braise. Il n'y a rien d'autre autrement, hein. Vous constaterez, hein. J'ai vérifié par moi-même. Maintenant, c'est pas terminé. On va aller sur la droite. Par ici, par cet escalier. On avance. Et attention à gauche, il y a un lézard de terre. Et on ouvre le coffre ici sur ce balcon. Il contient trois titanites scintillantes. Et maintenant, on va escalader l'échelle sur ce balcon. Et là, attention, on va s'attaquer à du lourd. Il va être assez difficile. C'est un humain qui a une énorme armure et une énorme masse. Il est ici. Il a employé une capacité qui va, il a transformé son armure en pierre et il devient très résistant aux attaques. Il va être très résistant celui-là, vous le dire. Et en plus, il le sent. Il est très puissant, faites attention, hein. On va faire être patient, qu'il envoie des gros coups, que je puisse attaquer. Tiens, attention, il peut vous contrer si vous vous protégez, hein. Oula. Il a beaucoup d'endurance, ça. Hein. Oh. Viens me chercher, toi. Il transforme son bouclier en pierre. Vous voyez? Il va devenir très résistant aux attaques. Il va falloir patienter jusqu'à ce qu'il enleve son bouclier.
Allez, viens là. Ça y est, il a retiré. Allez, attention. Oh, maintenant. Dommage. J'allais l'y contrer. Pas maintenant. Ouh. Et en plus, il use toute mon endurance en me protégeant. Viens me chercher, salopard. Ouh. Quand on a une ouverture, faut attaquer, hein. Oh là là, c'est compliqué, mes amis. Hein. Tiens. Tiens. Volé. Un petit coup, bien placé, ça va le calmer. Attention. Fumier. Je l'ai tué. Il laisse tomber une dent de dragon et le grand bouclier de Havel. Et là, par terre, vers ce dragon mort, il y a une tablette de titanite. C'est pas terminé. Il y a un secret. Vous allez à gauche du dragon mort. Et là, vous voyez ce mur détruit. Vous vous dites, y a-t-il quelque chose là-dessous? Eh bien, regardez, vous voyez que c'est pas très haut. Vous vous laissez tomber. Vous perdrez pas mal d'énergie. Vous avancez au bout du balcon. Attention, il y a un lézard de pierre. On va le tuer. Et là, vous trouverez là un miracle, barrière magique renforcée. On se laisse tomber sur le chemin du dragon. Sachez que si vous n'avez pas vaincu le dragon, la première fois, il s'enfuira au bout d'un moment. Mais si vous le tuez, vous gagnez 6 écailles de titanite et 6 titanites scintillantes, je crois. Alors, j'ignore les lézards de pierre. Et je vais courir vers la sauvegarde. Et moi, je cours vers la sauvegarde. Et je sauvegarde. Alors, on continue par là. Maintenant, on va affronter le boss de ce niveau, qui est le plus difficile de tous. Je risque de mourir, c'est certain. Mais c'est pas garanti que je gagne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Au son de la cloche, rien ne subsistera. On a tout fait la zone. On va actionner le levier et activer la cloche.
Et là, on passe dans une dimension ténébreuse et une colonne de nuages vient d'apparaître en dessous de la cloche et vous voyez un mur de brouillard. C'est ici que vous allez affronter le boss. On va y aller tout de suite. Là, je vous préviens, vous allez souffrir. Mais je vous dis, vous allez souffrir dans les deux parties du combat. Vous allez affronter un ennemi à dos de dragon. Il sera à dos de dragon, c'est le roi des tempêtes. Vous devez attaquer la tête du dragon pour qu'il pèse un maximum d'énergie. Et protégez-vous, c'est important. Alors quand ils volent, concentrez-vous sur ces attaques de tonnerre et brûlez au bon moment. Attention de l'attaquer. Super. Et là, on attaque la tête. Ah là, c'est le moment d'attaquer. Quand il croche une petite dragon comme ça, c'est le moment d'attaquer. Attention de cracher. Vous courez en arrière. L'attaquer. Oui, aïe, aïe. Je comprends pourquoi on l'appelle maître des tempêtes. Volez. Attention, il va attaquer. Alors là, mes amis, vous allez souffrir. Moi aussi, je vais souffrir. Et là, il va être vraiment difficile. Je vous le dis tout de suite. Il va être très coriace et ses attaques seront différentes. Attention quand il s'éteint. Attention. N'attaquez pas quand vous ne pouvez pas. N'hésitez pas, vous attaquez de plus, vous reculez. Attention. Et en plus, il est puissant. Là, vous arrivez à ce point. Maintenant, de plus, on recule. Attention à ces espèces de vents qui arrivent vers vous. Il les envoie de temps en temps. Pousse. Allez, viens me chercher, toi. Attention, vent. C'est maître des tempêtes, hein. C'est les rois Samo. Recule. N'hésitez pas à le viser, hein, pour ne pas vous perdre. Attention! Tu donnes un deuxième coup. C'est le moment. Attention! Deuxième coup. Vous frappez. Attention! Deuxième partie du combat. Il va envoyer des attaques éclairs.
quand tu fais ça, attention. Du roi sans nom. Et voilà, je suis de retour dans la dimension présente, juste après cette herse qui s'est ouverte. Et là, j'active le nouveau feu, le roi sans nom. Alors d'abord, il y a quelques objets à récupérer dans cette grande cour, qui est maintenant retournée dans le présent. Ici, il y a une tablette de titanite, et je sais qu'il y a autre chose. J'ai fouillé partout dans la cour. Alors, je sais qu'il y a autre chose, j'en suis sûre. Ou alors, je dois être... Voilà, oui, j'en étais sûre. Ici, il y a un équipement de tueur de dragons. Et là, on va revenir. On va quitter ce niveau. Il n'y a plus rien d'autre. Sachez que la herse au bout vous ramènera vers le premier homme apparaisseur d'humain.
Donc, pas la peine d'y retourner. Je vais retourner au feu et on va aller. Je vais aller voir quelqu'un. Je vais retourner au sanctuaire de Lichefeu. Je ne quitte pas la vidéo pour l'instant. J'ai une petite mission à faire. Et là, on retourne au sanctuaire de Lichefeu. Je vais voir le forgeron. Il a quelque chose à me dire. Oh, you've returned. I was hoping to see you. That crestfallen ass, Hawkwood, he handed me this. He's changed a great deal since he left this place. Graven of face, he asked me to give it ye. Là, il me donne un objet de quête. C'est une verte lame de Faucon Dubreuil. Well, now that that task is concluded, what would you have me smith today? Pretty, I don't... Alors, je vais donner les tomes. Le tome divin de Lautric et le parchemin de... Le parchemin du sorcier à Orbeck de Vinheim. Back again, perfect. Le parchemin cristallin, je veux dire. Unfathomable. This is a crystal sorcery. Created by the Pale Dragon. Thought only to exist in legend. I am ever grateful to you. This is truly sublime. I am afraid this is a debt I cannot repay. Only, I will be sure to unravel it for you. Just a moment. Again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Oh, you could at least act as if you're paying attention. Again, let her come again. Voilà, et puis Irina de Karim, j'ai un tome à lui donner. Que j'ai récupéré dans le niveau du château de Lautric. Oh, champion of the wish. Le tome divin de Lautric. Oh, you've brought me a braille divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite fun. Have a pleasant, I pray. Voilà. Et j'ai les cendres. J'ai les cendres que j'ai trouvées dans ce niveau secret à donner à la prêtresse. Ah. Cendres d'un trac dragon. Gracious. C'est tout. Puis là, je vais augmenter mon niveau, histoire d'être tranquille. Welcome. Very well. J'augmente un petit peu en foi. En mémoire et en vitalité. Je vais voir Ludlette de Courland pour lui donner l'âme du roi sans nom. La tempête fulminante. Grand âge de tueur de dragons. Espadon de Lautric. Épée sacrée de Lautric. Et maintenant, on a une petite mission à faire avec cette verte lame de Faucon Dubreuil. On va reprendre le feu là. Et on va voyager vers les... là où on a affronté le Veilleur des Abysses. Dans le niveau du Bastion Farol. Alors attention! Là, on est dans la salle des Veilleurs des Abysses et on va affronter Faucon Dubreuil. I should have known. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Il veut s'emparer de mon équipement de dragon et il a l'intention de me tuer. Là, il va falloir l'affronter, on n'a pas le choix. Alors attention, il a pris le crochet du Veilleur des Abysses.
Allez, viens le chercher, toi. Viens le chercher, saleté. Attention, son attaque, c'est son attaque spéciale, ça. Faut se méfier de ça. Allez, viens me chercher. Hop. Il ne va pas aimer. Hop. Potion. Attention. Attention. Hop là. Voilà, attention à son attaque. Potion. Je vais y arriver, je vais y arriver. Oula. Oulé. Faut pas attaquer quand il fait son attaque spéciale, hein. Attention. Voilà. Oh. Potion. Viens. Allez, viens me chercher, salaud. Alors lui, il va être assez long. Non, il a plein de potions. Il se soigne. Mais ça va pas faire long feu, croyez-moi. Hein. Plus de potions, mon petit coquin. Il a plus de potions, tant mieux. Oula. Ça y est, je l'ai tué. You are a dragon. More dragon than I. Et là, je gagne la pierre de tête de dragon scintillante. Faucon du Breuil n'est plus là. Je n'ai plus rien à faire ici. Et c'est ici que je vais vous laisser. Je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Et on se retrouve la prochaine fois pour le niveau final. Ça y est, mes amis, on y arrive. Allez, bonne chance et à très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires.